frites, ça vous a plu? Moi, c'était le plat du jour. Le lapin. Alors, pour la petite dame, qu'est-ce que ce sera pour terminer? Un petit café, un petit dessert, addition? Il n'y a rien de plus déprimant que de manger seul au restaurant. Un petit digestif? Manger dans un grand restaurant, c'est un peu comme faire l'amour. Manchana? Manchana? Marie-Brisa? Techniquement, seul ou à plusieurs, ça se termine à peu près de la même façon. Et pourtant, c'est quand même mieux à deux, non? Une petite tisane? On n'est même pas obligé de choisir. Pas plus au lit qu'à table. Quelques banalités suffisent. Je sais pas, moi. Passe-moi le beurre. Ça va du soir, une nuit tranquille. Vous ne voulez pas m'en train de vous asseoir? C'est-à-dire que je ne peux... Non plus, ça ne doit pas être facile, je ne trouve. Ma foi, je... Non pas que je méprise votre métier, mais repasser les plats comme ça, et puis repartir, sans même pouvoir goûter. Vous avez mangé, vous? Pas encore. Vous avez faim? Mon Dieu, je... Prenez au moins un morceau de pain. Je ne sais pas si... Vous avez quand même droit à une petite pause. C'est vrai que... Après le coup de feu de midi, j'ai toujours un petit coup de feu. Voilà. Comme ça, on est deux. Un peu de beurre. Ça glissera mieux. Vous savez ce que me disait ma grand-mère? L'appétit est le meilleur des condiments. C'est vrai. Quand on a faim, une simple tartine... Ça me rappelle mon enfance. Les tartines que ma mère me donnait pour le goûter, avec du beurre salé. Je suis né en Bretagne. Tiens, vous mettre dessus? C'est bon, hein? Pour moi, ça vaut le caviar, vous savez. C'est ce que j'ai pris en entrée. Le caviar. C'est vrai que c'est salé aussi. Surtout l'addition. Ça m'a fait du bien de parler un peu avec vous. Merci. Vraiment. La prochaine fois, c'est moi qui vous invite.